Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer encore à un unboxing. Il y en a beaucoup en ce moment, puisque je reçois beaucoup de choses et je suis tous en train de les tester. Ça fait beaucoup de choses à tester en même temps, donc il va falloir que je me démerde. Donc cette fois-ci, on se retrouve avec un Zoppo, donc Zoppo ZP920. Alors la différence avec la boîte du ZP720 de face, c'est une toute petite chose très subtile, à part la taille, c'est qu'ici, il y a la Magic. Alors ici, on a la version Flash, et ici, c'est la version Magic. Magic pour le 920. Donc voilà, c'est une petite différence. Donc on est sur, en gros, les séries Flash de chez Zoppo, donc qui est censé être un peu design, etc. Donc là, toujours frais. Toujours frais, ça doit être toujours à la mode, je pense, ça doit être quelque chose comme ça. Le petit truc, donc là, c'est les Zoppo Flash, c'est toujours à la mode, je pense. Chose très simple, alors derrière ce qui est bien c'est qu'on a toutes les caractéristiques. Donc là on a un 5,2 pouces LTPS Full HD, un octa-core 1,7 GHz, un MT6752, donc 64 bits, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, on peut avoir jusqu'à 64 gigaoctets de micro SD. Il est dual SIM. Donc là, on a au niveau des fréquences, on a la 900-2100 pour la 3G, et en 4G, on a 800-2800-2600. Donc en gros, on a toutes les fréquences 3G, 4G en France, donc ça c'est super cool. On a un capteur 13,2 mégapixels autofocus plus 8 en front de caméra, un GPS HGPS, 1080p en lecture et 1080p en écriture. Donc en gros, faire de la vidéo en 1080p. Et on se retrouve avec une toute petite batterie de 2300 mAh, lipolymère batterie. Donc 4G, Android 4.4, 5.0 devrait y arriver bientôt. Après, on a tous les sensors, etc. Chose classique. Donc voilà. Zoppo est d'ailleurs en train d'arriver. Tiens, d'ailleurs il s'est allumé pendant que je faisais l'unboxing. Zoppo arrive en Europe. Donc déjà on a Zoppo Benelux. J'en ai parlé dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps. Ça devait être hier. Je ne sais pas quand est-ce que j'upload actuellement la vidéo. Donc là, on se retrouve. Alors je l'ai très très peu utilisé pour l'instant. Je l'ai juste allumé. Donc voici le Zoppo ZP920. On va rallumer. Hop. Donc le voici. Donc très beau mobile. Alors sa petite particularité à lui, alors déjà c'est d'être très carré. Là on a des smartphones avec les bords ronds, là on est avec des tranches haut et bas rondes, les deux, et des bords alu, et le smartphone lui-même est très très carré, complètement carré, donc ça change un petit peu, c'est plutôt sympa. Et l'autre particularité c'est qu'il a donc quelque chose, un peu une coque un peu différente, une coque avec des plumes, hein, donc on peut voir des plumes de différentes couleurs. Il y a une version aussi avec des plumes multicolores, donc c'est rose, vert, etc. C'est plutôt joli. Là, c'est plus discret avec des nuances entre le noir et le blanc. Hop. Donc ensuite, on se retrouve avec une petite languette. Alors là, elle est à l'envers. Donc là, on a un film de protection qui n'a pas été mis par Frandroid. Donc film de protection qui est offert avec. Donc ça va permettre de protéger le mobile. On a même une petite lingette comme ça pour bien nettoyer l'écran avant de le poser. On a donc un guide de démarrage. On a, alors là il manque, normalement il est un peu plus mieux que ça. On a donc un câble micro USB qui est de bonne qualité. J'ai toujours reçu une ZP920 et il est nickel, il résiste bien au temps. Ici nous avons un chargeur, alors sachant que c'est du 2300 mAh, là ça ne délivre que du 1 A, donc ça va être un petit peu long à recharger. Et ici nous avons c'est les EG, donc 7000, attends, EG05, donc un kitement libre très classique, même pas intra, donc bon, le son n'est pas extraordinaire pour avoir ceux du ZP720, c'est les mêmes, ça passe, mais bon, vaut mieux des vrais haut-parleurs. Donc voilà, on a ce ZP920 que je vais avoir en test aussi, donc il devrait arriver un peu après le Honor 6 Plus, donc il y aura un petit peu de temps avant que je me mette en test avec la 4G et tout ça, mais déjà plutôt sympa de ce que j'ai pu voir, et puis j'espère que Lollipop arrivera entre temps. Je vais voir ça, je vais voir comment je vais m'organiser. Sur ce, à bientôt pour de prochains unboxings, parce qu'il y en a plein en ce moment, ou de prochains tests, ou de prochaines vidéos un peu spéciales, comme ce qu'il y a dernièrement. Et sur ce, à bientôt. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, likez nos publications, commentez aussi sur nos vidéos, ou
nos différents articles, partagez aussi vos impressions. Nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.